Il m'a invité dans quoi là? Ok. Ouais, alors attends. Dis-moi. Pourquoi ce... Bah. Nickel. Moi, je veux bien que tu me leurrais pas du coup. Ah, vas-y. Je te le mets sur un pont? Ouais. Oh, je vais me changer vite fait. En fait, je suis en train de ramener mes camions là-bas, en fait. Mais je m'en doutais un peu qu'il serait pas sur place. Ouais. Ouais, mais c'est chiant. Bah ouais, mais il se fout de la gueule du monde, le mec. Voilà. Il est jamais là et il est même pas à son putain de boulot. Voilà. C'est... Bah. Non, au bout d'un moment, ça va, quoi. Ah, Après, vraiment. c'est dommage aussi qu'il soit tout seul. Bah oui. J'ai déjà dit pour un employé, le mec, il prend pas d'employé. Aïe, aïe, aïe. Ah, je vais lui mettre dans la gueule ce soir. Bah les couilles. Ah, je vais lui mettre, mon vieux. Ensuite. Ouais, je sais, parce que je sais qu'il va se plaindre de la quantité que je lui ramène. Je vais lui dire, écoute, ferme ta gueule pour un employé ou fais quelque chose, soit plus présent. Ah, je vais lui dire cash, j'en ai rien à foutre. Là, au bout d'un Mais moment, ça va, quoi. t'as stocké pendant un moment là? Ouais. Ouais, ça. C'est que ça m'amuse pas moi de stocker pour rien, tu vois. Bah oui, clairement oui. Ça me bloque mes camions, ça... Tiens, je peux rien faire après derrière. Sinon, faut aller vendre dans le nord, mais ça fait chier quoi. Mais je vais pas vendre dans le nord, c'est une carotte totale. Jamais de Bah la ouais. vie. Je préfère attendre. Tu dis, le mec aurait juste un employé, juste un. Ah oui, bah Il oui, serait clairement oui. déjà multimillionnaire. Avec le nombre Ça de c'est gens sûr. qui veulent vendre des trucs et tout, machin, t'sais. Ouais, c'est vrai que c'est dommage. Bah ouais. Non, je prends pas d'employé, j'ai pas confiance. C'est ce qu'il avait sorti l'autre fois, oh, putain. Ah Bon. putain. Ah, je sais pas, bon, bref. Non, ma foi. Faut chercher à comprendre, hein. Bref. Ouais. Ah, je vais bien finir par tomber sur lui. Oui. Tout neuf. Un pic. Il est tout neuf. Du coup, 500 balles. Alors, attends, 500 balles. Merde. Merde. Ouais. My bad. Attends. T'inquiète. Voilà. Tiens, voilà. Crac, Nickel. impec, Nickel, merci nickel. bien. Tu veux que je descende du pont? Ouais, ça l'est. Que j'hésite à m'en prendre un, ça vaut bien ces merdes. Ah mais il est trop bien, il est vraiment pas cher. Ouais, 50 000, ouais. Ouais, non vraiment il est incroyable. Ça me Moi je suis tente. content. Ça me tente. Ouais. En Après, plus il je. en a en stock, Jim. Ouais, j'ai vu ce que je lui ai dit, j'en prendrais un, mais je sais pas encore. J'ai déjà ça à faire, mais justement, je vais vendre cette putain d'or là. Et je vais la harceler l'autre. Bah vas-y, ça marche. Bon bah en tout cas merci bien, c'est cool. Pas de soucis. Bonne soirée à toi. Ouais, merci. J'ai harcelé Tarpo. Ça a bien marché au bout d'un Bah moment. oui. Bon allez, ciao. Ciao. Moi j'aurais ramené un des camions là-bas. Ah, par contre, je vais lui mettre dans la gueule. Reprends-toi un employé et fais un truc. Oh. Catastrophique.
L'ANS. Yo, ah purée. T'es occupé? Ouais. Ouais, à ton avis, si j'y réponds pas. Eh gros, je suis venu au Oula. magasin, t'as marqué que ton service était pas là. Tranquille, chica, y a pas de problème, mais c'est juste un client qui m'embête un petit peu, mais tranquille, j'arrive. Mais Ok. si, tu me disais? Ouais, du coup, je peux te capter quand? Vers quelle heure? Bah maintenant j'arrive, tranquillou. Ça marche. Ok, vas-y, j'arrive. Vas-y, t'es déjà au point de job ou pas finalement? J'en ai pour quoi? 2 minutes à arriver? 2-3 minutes? Le temps de faire Oui, la parce route, en qu'il me fait. semble. Il me semblait que j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit eh, c'est parce que je suis dû au magasin, nanana. Ouais, Et tu n'y es pas? j'étais au magasin, je viens de me faire déposer au Bénis. J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois, et là tu me réponds que maintenant, du coup, bah, je vais retourner au Bénis. Et. Ah, Oh, d'accord, punch-up. j'allais dire. Je vais retourner au Ben, ça punch-up. Je marche. suis au Bénis. Mais. D'accord, vas-y, ça marche. Ben, écoute, je t'attends. Vas-y. Ah, mais t'es déjà là-bas? Vas-y. Mais bien sûr, j'y suis déjà là-bas. Moi, tu m'appelles, je suis là. Mais gros, j'ai fait que ça de t'appeler, t'étais pas là-bas. Il y avait Ouais, mais personne dans parce le que magasin. j'ai pas décroché. Là, j'étais au coaché, j'arrive. Ah, J'ai. ok. Vas-y, bah vas-y, j'arrive. Vas-y, vas-y, ça marche. À tout à À l'heure. toute. MTR. Ah, attends, je vais me changer. C'est qui j'ai entendu marcher sur le toit là? Ah non, c'est lui. Est-ce qu'on a une bouffe? Pourquoi j'ai deux postes? Ah non, c'est qu'il m'en a donné. Mais gros, il m'en a donné combien lui? Il m'a donné 5 en fait, ok, j'avais pas fait gaffe. L'item est complètement bugué. On va se mettre comme ça, du coup, hop, c'est parti. Merde, 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 je suis tout seul, allez vous faire foutre. Merde, merde et merde et remerde. Voilà. Évidemment, il n'y a plus d'essence dedans. C'est magique, j'avais fait le plein des camions avant de les ranger et là ils réapparaissent avec le vide. Oh gros. Oh, j'ai pété un peu. Hello. Ouais, vous avez appelé Bénice? Affirmatif, c'est la LSPD, je voulais savoir si vous étiez disponible. Je suis occupé sur un truc et je suis en service dans 10-20 minutes. Dans 10-20 minutes? Ok. Ouais. Vous pouvez me rappeler quand c'est bon? C'est votre numéro, ouais. Ouais. Ou sinon, bah, si vous êtes dispo, on laisse la voiture au LSPD, puis vous venez directement la réparer sur le parking. Yes, mais de toute façon, je vais en avoir pourquoi, ouais, mais moins de 20 minutes en vrai. Ouais, bah y a pas de problème, vous inquiétez pas, on est en procédure, donc on est au poste, hein, donc y a pas de souci. Ah, ok, Voilà.
Eh bah super, merci. Allez, à tout à l'heure. À tous. J'étais sûr que c'était soit les keufs, soit le mec qui était en course poursuite. Du coup j'ai encore un timing incroyable quoi. Oh, il va serrer, voilà, il va serrer. Aïe aïe aïe, c'est difficile de t'avoir. Oh. Comment tu vas? Comment ça c'est difficile de me voir? De te trouver? Ouais. De te croiser? Bah écoute, j'essaie d'être discret. Ok, ok. D'être là quand il faut. Non, je rigole. En vrai non, c'est parce que j'ai beaucoup de temps. Ces temps-ci, j'ai eu beaucoup de choses importantes à gérer. Donc, yes, yes, ouais, je vais comprendre. Un peu moins de possibilités. Et de plaisir, on va dire. Ah bah vivement que tu trouves quelqu'un de confiance, que t'as un employé, ça va te soulager en vrai. Oui, ou peut-être bien que je vais bientôt avoir un peu plus de temps libre, ça se trouve. Ah donc, oh, c'est aussi une bonne nouvelle. Aussi une bonne nouvelle. Ouais, une moyenne bonne nouvelle, on va dire. Voilà. Ouais. Bon bah écoute, je t'amène de quoi être très riche. C'est vrai. Ah, autant moi que toi. Écoute, le truc c'est que ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, donc et de savoir déjà que en très peu de temps qu'on se voit pas, tu me ramènes déjà des thunes à crever, j'ai peur. Là j'ai même peur de me dire est-ce que je vais avoir assez pour toi. Ah, je parle de quasiment un demi-million là. Et quoi, pardon? Oui, t'as entendu. T'as presque un demi-million là. Ouais. Mais t'as croqué. Non mais c'est pas une blague. C'est que c'est. Attends, le cento, j'ai arrivé dans deux secondes. Il est pris, il est vert. Alors, soit il va me faire un braquage, soit il va me faire une connerie, je sais pas. Soit il va juste prendre l'argent et il va galérer. Mais je pense pas qu'il va le faire maintenant, il va attendre que j'amasse plus. Quoi. Il sait que je le peux. On va terminer vite fait. Ah, c'est pas tout dans le même camion. Hein. Je pense qu'à mon avis, occupe-toi des deux là qui sont là. Y'a quoi? Y'a les. Attends, occupe-toi de là-bas. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais hola, seigneur, je sais comment ça. Mais je crois que c'est une commande personnelle de vous et un petit cadeau qui m'a bien porté, non? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais je suis satisfait de le voir, je suis très heureux même de le voir. Hein. Mais si, et je suis sûr que c'est grâce à vous parce que. Vous en avez fait la demande, j'ai pas dit, oui. Moi je n'ai même pas fait la demande, je me souviens pas. Oui, c'est moi qui l'ai fait, bien sûr. Voilà, mais je voulais, que... merci. Ça fait quoi, une semaine que je l'ai? Ça me. Mais tellement grave. Ah bah oui. Ah bah oui, ça me tourne pas. Ah, monsieur Kent, vous allez bien? Oui, vous? Oui, très bien, oui, très très bien, merci beaucoup. Et vous, monsieur Valero, comment ça va? Ça se passe bien. Je reviens des petites vacances, donc un peu moins de temps libre j'ai eu en ce moment, mais là, ça revient fort, on va dire. Bon, très bien, on s'accroche, hein, on s'accroche. Hein. On s'accroche toujours. Exactement.
on lâche rien, hein. Qui c'est qui disait non, ça? Non, non. Ah, c'était peut-être un joueur de foot, je crois, ou un entraîneur de football. Il disait, on lâche rien, les gars, on lâche rien. Ah ouais, on c'est met... Ce Genk, on le met en attaque ou en défense dans l'équipe? moi, je mettrais Senior Gent en gardien de but. Oh, ah, en gardien de but. Ah oui, magnifique. Très bonne idée, ça. Le dernier rempart. Ah oui, oui. Celui qui va nous sauver. Celui qui va nous sauver. Le sauveur. Exactement. Le sauveur. Qui va nous permettre de gagner 1-0, hein. Grâce à une tête de M. Valero. Un centre de Dossi. Ou une passe décisive de Seigneur Dossi. Ah oui. Ah oui, une passe bien décisive. Bien sûr. Magnifique. Ah oui. Voilà, ça c'est une équipe qui gagne, hein. Faut pas la changer. Bon, très bien. Clairement. Très bien, ça me fait plaisir que. J'ai encore ce moral et cette force, génial, c'est génial. Toujours, toujours, surtout qu'il est punch up, il va de mieux en mieux, donc ça me fait plaisir. Là, c'est chaque semaine, j'étais toujours les bénéfices, donc c'est très bien. Ah ouais, parfait. Pendant que j'y suis, vous avez reçu mon mail, oui, comme quoi j'ai donné les plans pour la construction. Oui, oui, oui. Ouais. Alors attendez, parce que je l'ai reçu votre mail, je vous dis honnêtement, j'ai lu entre les lignes. Ah bah, vous... prenez le temps. C'est pas possible. J'ai été vraiment submergé par des... J'étais pris par des obligations, on va dire, d'extrême urgence ou d'extrême importance, ce qui fait que j'ai un petit peu, à peine délaissé un petit peu ce qui se passait autour de moi. Ok. Ah, un téléphone, oui, bon, oui. Ouais. Pardon, je crois qu'on a eu plus ou moins les mêmes soucis, hein, en vrai. Mais c'est pas les mêmes, en tout cas, le même contretemps. Quoi. Ah oui? Ah d'accord. Oh, bah, je ne savais pas, d'accord. Peut-être, oui. Oui, bah, ouais. Monsieur Magarov, bonsoir, monsieur Dossi à l'appareil. Bah, pour le coup, Oui? Il est au téléphone. Et je me permets, Seigneur Dossi, je vais vite faire les affaires avec Seigneur Gang, et après je reviens. Et... Ils ont mis quoi au niveau des toilettes? Ouais, tout seul toi ou alors En fait, mes deux camions sont là. Le deuxième camion, je l'ai ramené juste avant dans le garage à côté. D'accord, ok. Donc d'accord. Là, il y a à peu près. T'as deux points d'or? Non, c'est 180 lingots, plus 200. En gros, il y a 540, plus toutes les montres, là, tu vas péter un peu. T'as combien de lingots? C'est 140? 180 plus 244 ou 43, je sais plus. Attends, bah, je vais te dire, attends. Mais t'es un peu fou. 241 et 23 montres. Donc là, à l'arrière, il y a 241 lingots et 23 montres. D'accord. Attends, tu sais quoi? On va déjà faire le compte pour ça. D'accord. Ça au moins. Et dans le tableau de bord, il y en a 10 de plus de montres. Donc ça fait 33 montres. Tan, permets-moi 2 secondes que j'ouvre mon compte. Là, ensuite, le shop, voilà, parfait. Alors, lingot d'or, là tu en as combien actuellement dans le camion que tu as? Alors celui-là c'est 241. 241, ok, d'accord. Merci, vrai, je dois mettre 100%. 141. Ok. Et ensuite, t'as dit dans les montres, t'en as combien de montres sur toi là? Yes. Comment? T'as combien de montres là? Dans ce camion là. 33. 33 montres. En or. Déjà, je fais de la merde. Lingot, c'est de l'achat, pas de la vente. Ça serait bien, sinon je vais niquer tout mon. Toute ma compta. Voilà. 10, 53, hein? 33, non, 33. Ok. D'accord, parfait. Ok, donc là, oh là 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 là. Attends, est-ce que j'ai assez de plata? Bordel. Attends, je regarde. Bah, c'est pas fini, hein. Après, il y a 180 lingots et 10 montres. Oh, oui, t'en es kilo. Pour tout ça, j'aurais assez, mais c'est juste. Bah, à mon avis, j'ai bien compris, il faudra que tu demandes à ton collègue qui te. Ouais. J'ai compris. Ouais, c'est ça. Je vais faire une expertise. Donc, au pire, prends tout, puis tu me payes quand tu peux, tu vois. Tu captes.
quand t'auras fait ton truc. Ouais, c'est ça. En vrai, tu sais quoi, ouais, clairement, en fait, on va faire comme ça. Ah oui, prends les affaires et tu t'occupes de... Tu me fais le paiement dès que t'as ce qu'il faut. Prends pas la tête. C'est ouvert. Pas favori. Non. Gracias. Je peux prendre 210. Ah, je peux en prendre un peu si vous voulez, si c'est, il s'agit de matières précieuses comme l'or, tout ça. Ça ira. Les canettes, c'est tout les laisse. Non, j'ai tenté, pardon, non. Je n'ai jamais vu une poule d'or avec une valeur telle à l'intérieur. Ah, eh ben dis donc. Ah, disons que, ouais, c'est... Le camion ou son pesant en or. Alors pour le coup, oui, là, il est bien trouvé, là. Ah oui. Ah oui, d'accord. Faut pas le dire, faut pas le crier sur tous les toits. Hein. Oh. Parce que sinon, il y a des gens qui pourraient se permettre de couper le camion, par exemple. Bah, honnêtement, depuis le temps que je traîne là-bas, je pense qu'il y en a pas mal qui sont courants. On a oui, de la chance voilà. Que personne ne fasse rien, justement. Oui, il faut dire à monsieur, par exemple, quand vous arrivez ici, vous dites « Oh, c'est deux babioles, j'ai trouvé trois canettes et puis je crois que c'est deux bouteilles de coca ou je ne sais quoi, rouillées. » Voilà. Si les gens vous entendent que c'est chargé, ouf. Après, je n'ai pas ça non plus bruité à n'importe qui, mais ouais, clairement, s'il y avait des gens mal intentionnés qui le savaient, à mon avis, ils seraient déjà là. Oui, c'est ça, il faut faire attention. Ouais. Un peu comme ce 4x4 là. Ah bah y'a le 6-6 qui doit venir là. Ah bon? Le 6-6? Oui, y'a un monsieur qui a acheté. Ah, monsieur Smith, Aaron, là, vous savez qui travaille au Poker Shot. Monsieur Aaron Smith, vous savez celui qui travaille au Poker Shot, le PDG. Ah, oui. Il peut ouvrir les camions. Attends, le burger shot, le patron, c'est pas. Vous situez le burger shot? Ouais. Oh. Non, je vous sens un peu hésitant, c'est pour ça. Le patron du burger shot, c'est pas Wesak? Tu n'aurais pas dit mon tour en plus sur toi. Si, attends. Ah, c'était dans le tableau de bord. Ah, oui, si. Et voilà. Je vais chercher le deuxième camion, j'arrive. Ici, va. Deuxième camion? C'est ça le deuxième camion? Oui, c'est un petit, c'est pas un gros. Ah, moi je pensais que c'était encore un gros qui arrivait. Bah, justement, je suis content d'avoir un deuxième gros. Le Sainte Seigneur. Allô? Pardon. Tu fais quoi de bon? Je suis au Punch Up, là, je peux te rappeler après? 18-43. T'es au Punch Up? Il est ouvert? Ouais, bah viens, au pire, si t'as besoin. Ouais, bah, je vais chercher deux montres au gouvernement, puis j'ai rien. À tout de suite. Pardon. Là, c'est que des lingots pour le coup. Ok, parfait. Et les 10 montres, elles sont sur moi. Je les filerai à la fin. Ouais, bien sûr. Et ça. Et honnêtement, j'ai mis du temps à réunir tout ça. Vraiment, c'est. Là, il y a plus d'une semaine de galère. Hein. Ah ben c'est du temps et du mérite, hein. Je sais, ah, c'est ça, c'est ça. Ils m'en parlent aussi, oui, c'est un travail pénible, on a toujours le dos courbé, vous voyez. C'est ça. On a mal au dos au bout de quelques heures déjà, et non, je comprends très bien. Hein. Et surtout, sachez que c'est vraiment que du mérite. Hein. C'est ça, c'est ça. Après, il y a quand même, ouais, je pense qu'honnêtement, le fait que je sois, comment dire, mécano à Bénise, j'ai quand même pas une notoriété dégueulasse, je sais pas comment dire ça.
Bah, vous êtes assez bien payé en tant que mécanicien, c'est ça? Non, mais au niveau des gens de la ville, je suis pas trop mal vu. Parce qu'il y a pas mal de gens qui savent que j'ai de Ah l'or. oui. Hein. Ah. Et... Oui, vous êtes mécanicien, donc effectivement, je comprends. Hein, Ouais, c'est ça, du fait vu que je passe pas trop mal vu en ville, il n'y a pas beaucoup de monde qui va tenter quoi que ce soit contre ça. je comprends très bien. Bon, je vais essayer de voir votre mail pendant ce temps, tiens. Ça va être intéressant. Alors, oui, pour... Oui, attendez, je vais juste regarder. Hein. Bon, tu peux me donner les montres? Yes. Yes, yes. Bah, c'est moi qui te remercie. Je termine et après je te fais la facture. Alors, ce que vous allez faire pour une totale impartialité, est-ce que je peux vous demander de supprimer le dossier que vous m'avez envoyé? Le dossier de... Le dossier... dossier gouvernement premier mandat. Ok. Est-ce que vous pouvez carrément le supprimer? Je vous expliquerai pourquoi, vous inquiétez pas. J'ai pas lu, hein. J'ai juste vu ce que c'était. Bah, en fait, ouais, c'était pas... Ouais, dites-moi. Non, non, c'était très bien, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Simplement, sachez que si moi je me présente, je vais avoir mes arguments électoraux. Ok, je comprends. Ouais. Je veux pas vos arguments, vous voyez, parce que ça serait injuste que je connaisse l'argument électoral de tout le monde et que je pioche à droite à gauche et comme ça, j'ai rien à faire. Bah, écoutez, si vous restez au final dans la ville, je peux carrément vous donner mes idées. Ça va peut-être vous arranger. Bah écoutez, moi j'ai pas d'argumentation très spécifique. Hein. Si je me présente, oui, je préparerai quand même un discours à la Miss Bank, hein, qui est prévu. Un minimum, ouais. Mais voilà, c'est pour ça que je voulais oula. Pas. Oula. Autre. Attends, tu veux que je te fasse directement un IBAN ou pas? Vu la somme. Ouais, ou même un virement avec par le téléphone. Le 6-6 ou le nom. Si, ah c'est juste que par ah téléphone. Non, pardon, excusez-moi. Ah, c'est depuis le compte entreprise en fait, tu veux dire. Oui. Ouais, c'est pour éviter de faire transaction sur transaction, etc. Ok, bah je vais t'envoyer mon IBAN par mail, attends. Vas-y, tranquille, parfait. Ouais, très bien. Où est-ce que je le trouve déjà? Ah, faut que je regarde. Attends, je vais sauter de la TM. De la TM, ouais. C'est la plus simple comme ça. D'accord, moi je peux pas y aller non. Bon, attendant, j'ai déjà fait le compte. De toute façon, voilà, c'est le document que je vous ai envoyé, je vais aussi. Ouais, c'est très bien, très très bien. Je sais que là, je viens de faire noter le deuxième Reich. On peut dire ça comme ça. Et on va dire ça comme ça, ouais. Ah, tout est devenu grave, les chiens. Moi, non. Moi, pas autant. Moi, pas autant. Bah, si, tu la revends quand même derrière. Oui, 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 mais si tu l'exportes. Non, tu m'as fait un truc de fou, mais. Ah, quand même. C'est mis à le volant, quoi. Ah, j'ai bien compris qu'il t'en faut des millions, ouais, j'ai bien compris. Et je veux bien essayer, mais ça va être dur mentalement. C'est que j'ai passé des 80 heures. Je te dois, comme je t'ai dit, 454 540 dollars. Quoi?
754 000 Oh putain. Yes. Ah oh, yes, je prends. Mais écoute. Waouh. Comme ça les affaires. Yes. Merci, merci. Je crois qu'il te manque des rouges. Ah ouais. Bah je sais pas c'est qui est à l'intérieur, mais il te manque des rouges. Si. Rouge gentiment. Si, lo siento, señor. Juste, je termine la transaction pour le seigneur Nazas et puis après. Est-ce qu'il y a une cafetière à l'intérieur? Est-ce que vous pensez qu'on peut se servir à café? Je sais qu'on a une fontaine à eau. Maintenant, la cafetière, je suis plus seul. Si. Vous rentrez dans le pawn shop. Tout au fond à gauche, la deuxième salle, au fond à gauche, c'est là. Ah, ouais, très bien. Il me semblait que vous me l'aviez montré. Merci beaucoup. Ici, une petite salle de repos. Pas de problème. Ça va te faire mal au cul. T'es dans les 450 000, vas-y annonce-le. Trop curieux toi. Et arrête de regarder mon compte en banque, sinon je t'éclabouille. Trop fou toi, en vrai. Comment ça tu regardes l'ATM? Comment t'as reçu? 454 540. C'était pas l'inverse, c'était plutôt 554 000. Non, c'est pas l'inverse. C'est fou quoi. Bah, tout à l'heure tu m'as dit 554 000. Non, je t'ai dit 454 000. Bon, le VAR, je te jure que j'ai dit vraiment ça. Ok, je te crois. J'ai rien dit là. Je calcule pour vous. Hop, 41 montres. Hop. Et c'est qu'en plus, avec Nashka derrière qui me croit pas non plus, mais va te faire foutre, Nashka. Non, mais ça va. 454 000. Je suis fatigué. Et regarde-le en plus, regarde-le comment il essaie de me recopier la vérité. Mais t'as tellement pas de flow. T'as un bon. Merci en tout cas. Quoi? Eh, la prochaine fois, Taro. La prochaine fois que je reviens, ce sera avec deux comme ça là. Mais c'est incroyable, tu peux revenir autant de fois que tu veux avec. Viens un peu plus souvent. Je peux le lire en noir, en blanc, en vert. Là j'ai un château à acheter. Là je vais le ranger mon camion. Bien. Qui est resté cadet. Donc là, fais voir, attends, j'ai regardé mon compte. Mais alors, ça, c'est pas de ma faute. Ouais, mais c'est. Alors. T'es venu pour quoi? Pour. Ah ouais. Oh, le chiffre, il fait mal à la tête. On demande vraiment. Mais parce que, je suis occupé, genre avec le travail et tout. Et c'est vrai que t'es grave occupé avec ton nouveau travail d'avocat. Je te jure, ça. D'avoir tellement de clients, ça doit être un truc de fou. C'est une dinguerie, hein. Mon travail, je suppose. Ouais. Deux? Vraiment deux? Ouais. T'as vraiment niqué ton essence pour deux mois? Allô? Salut Naz, ça va? Ouais, toi? Ouais, nickel. Dis-moi, t'es au Béniz? Non, pas du tout. Ah, y'a personne qui répond, y'a personne qui est disponible pour un custom? Si, je vais y aller là après. Je vais arriver. Bah, t'es là-bas déjà? Non, là, je suis au Burger Shot. Ok. Bah, je vais y aller là de toute façon au Béniz. Vas-y, nickel, on se retrouve là-bas? Yes. Vas-y, à tout de suite, merci. À tout. Voilà pour toi, et je te remercie. La prochaine fois, je vais voir. Bon, je retourne au Benizma. Je vous dis bonne soirée, monsieur. Bonne soirée, monsieur. Bien, et bon courage. Oui, merci. Allez. Bonjour, Benizma. Bon courage. Merci, toi aussi. Encore. Attends un peu, viens un peu, deux secondes, Nas. Allez, vas-y, je te suis. C'est une note de 6, il faut que je vous présente quelqu'un. Très bien, écoutez, parfait, avec grand plaisir. Hein. Il faut savoir. Oui. Et cette personne en lui-même. Vous voulez parler de la personne qui a le chapeau blanc, un peu noir et blanc, c'est ça? Exactement. Ah, d'accord.
Quoi ? Je veux savoir que cette personne, c'est mon employé du mois et même presque bientôt de l'année, alors qu'on vient de la commencer. Je crois qu'il n'y aura personne d'autre qui sera meilleur employé du mois et de l'année que lui. Mais c'est pas possible. Donc, bien vous sûr, savez, c'est, je vous disais que les clients actuels qui viennent vendre sont mes employés. Voilà un. Il fait vivre le pancho. Il a fait un truc de fou encore cette fois-ci. Et je le dis devant le seigneur Dossier, j'espère que très bientôt, une petite photo des Nasdaq. Des Nasdaq. Une petite photo de Nas, des Nas, voilà, sera sur le petit mur devant le comptoir près de Natacha, en tant qu'employé de Punch Shop. Voilà. Oh, mais ça serait génial, ça. Ah, bah merci, voilà, là je sais. Employé par intérim, mais bien sûr, mais employé quand même. Oui, incroyable. Mais il aurait, vous savez, deux photos à deux endroits différents, si ça va être compliqué. Allez. Parce que c'est l'employé du mois au Bénisme. De l'année et c'est l'employé du mois ou de l'année ici. Oui, mais c'est... comment voulez-vous les battre? Il est incroyable, peut-être comme ça. Il est exceptionnel, je sais pas. Je me demande parfois si Monsieur Guette n'a pas un frère jumeau. Ah non, je suis vraiment tout seul dans ma tête. Il y a l'autre qui travaille, vous voyez, et après. J'aurais même des mieux, moi je pensais même à des téléclés pour vous dire. Ah oui. Je crois qu'il faut faire une enquête là-dessus. Ah, vous pouvez faire une enquête, hein, mais je vous assure que je suis pas tout seul dans ma tête. Eh bien, écoutez, je vous dis bravo, monsieur Gain, vraiment félicitations, parce que le courage que vous avez, le labour que vous avez à vous mettre au travail, à travailler, c'est vous auriez dû être gouverneur, c'est sûr. Parce que moi, je travaille, je peux vous dire que je travaille. Alors, travailler comme vous, je pense que j'en serais pas capable. Honnêtement, c'est pour ça que je le proposais, comme quoi si vous restez en ville, dis-moi, parce que s'il y a les élections, si vous décidez de vraiment vous représenter, ou si vous vous représentez juste pour faire belle figure et au final essayer de laisser quelqu'un d'autre prendre la place. Non, si je me représente, c'est que j'ai pris ma décision, j'ai décidé, je vais à fond. Tout ce que je fais en général, quand je le fais à fond. Moi je vous propose de carrément vous donner mes idées en fait. Mais vous pouvez très bien vous présenter également, hein. Bah, ouais. Entre moi, hein. Oh. Et il espère peut-être avoir la photo de l'employé du... Bah non, mais j'ai dépensé 3,9 millions pour acheter les plans sur un site internet, donc je vais pas... Vous voyez? Pour les plans des taxis. Oui. Donc je préfère récupérer les taxis et que vous restiez gouverneur. Alors attention. Faudra me le signaler quand même avant, hein, pas avant. Je crois que c'est jusqu'au 9 ou jusqu'au 11 pour les candidatures. Ouais, la liste sera publiée le 11, hein, officiellement, moi je la publie, hein, toutes les personnes qui se sont présentées. Après, si vous y a un désistement, faudra me le dire, si vous désistez. Après, c'est une expérience, hein, vous allez faire un discours devant tout le monde. Vous allez répondre aux questions de tous les riverains. C'est vous qui voyez. Et puis c'est pas sûr que moi je vais gagner. Hein. Attendez. Ah, c'est pas dit, ouais. Le problème, c'est que ouais, si je gagne les élections, moi, les plans des taxis, du coup, moi, je vais les offrir à la ville. Ça, c'est pas un souci. Ben, du coup, les plans des taxis, effectivement. Effectivement. Alors, est-ce que vous pouvez les récupérer? Vous les avez pas encore? Ah, ben, je les ai toujours. Ah bah très bien. J'attends d'avoir un contact avec les constructeurs de la ville pour qu'ils les prennent, quoi. Mais je veux dire par là que même si derrière, si je me présente et on sait jamais, avec un peu de chance, si je suis élu, les plans, je les offrirai, enfin je m'en fous, vous comprenez? D'accord, vous les gardez, c'est parce que vous savez, c'est 2 mois, hein. Les élections, c'est tous les 2 mois. Ouais. Voilà, si dans 2 mois, vous n'êtes pas élu pour une prochaine élection... Ok. Ben, vous pouvez très bien les garder, enfin ça c'est vous qui voyez, moi je... j'arbitre, hein. Mais disons que les élections ont lieu tous les 2 mois. Moi, je l'ai un petit peu avancé, je vous l'accorde, je l'ai avancé 3 jours, pas ou 5 jours. Donc pour le coup, le dossier, faudrait que je l'envoie aux autres membres du gouvernement, si je comprends. Pas du tout, je vous explique. Aucun dossier, je veux juste les noms. Dans le dossier, j'ai l'impression qu'il y a un peu votre programme, si je me trompe. Ah, totalement, oui. Voilà, il faut absolument... Moi, je ne vois aucun programme d'aucun candidat.
Parce que je peux Ah, copier ok, des vous voulez juste un papier de présentation en fait, ouais. Ouais, vous avez compris. Mais c'est comme vous, ne donnez jamais votre programme à un autre candidat. Parce qu'il peut vous copier les idées, et puis il peut peut-être vous passer devant. Ouais, normal. Ouais. Voilà. Donc moi, je ne l'ai pas lu. J'ai ouvert, j'ai fait trois balayages avec le pouce sur mon téléphone. Ouais, j'ai compris. Mais vous avez compris que... Ouais, j'ai compris que c'était un truc un peu dans ce style-là. Donc, je voulais renvoyer tout de suite. Non, non, il faut que ça reste quand même différent et confidentiel, tout ça. Si moi je décide de faire une tour Eiffel à la plage, faire construire une tour Eiffel, voilà, que ce soit un peu mon idée à moi et pas que quelqu'un me l'apprenne. Bah après, ce serait tout à mon honneur de vous avoir aidé. Hein. J'ai pas besoin de. Vous comprenez? C'est pas mon but premier. Non, mais ouais, non, mais c'est pas mon but premier de vous prendre votre place en fait. C'est pas ma. Comment dire? Ce serait pas ma meilleure place. Mais vous vous présentez, c'est pour prendre la place. Enfin, ou prendre la place, il y aura peut-être, attendez, il y aura peut-être deux autres concurrents qui vont se présenter. Hein. Ouais, quoique oui, on sait jamais. Donc vous prenez bien. Pour le moment, il y a que vous, c'est le dossier qui est sur la liste. Et... Bah, j'ai bien l'impression. Pour l'instant, il n'y a personne. Normalement, on n'a pas à le dire parce qu'il n'y a personne. La divulgation, je vais vous dire quand est-ce que les candidats seront divulgués au public. Je crois que c'est le 9, si je dis pas de bêtises. J'ai mis l'annonce dans l'annonce du gouvernement et il y a le détail. Oui, bien sûr. Non, mais je ne demandais pas le nom des futurs candidats. Je demandais juste si la liste était déjà bien remplie ou si elle était vide. Non, pour l'instant, non, il y a personne. Les candidats doivent se prononcer du 9 au 12 mai. Donc même un candidat aujourd'hui qui me dirait, voilà, monsieur Dozy, je suis candidat, je pourrais très bien lui répondre, je ne vais pas le faire parce qu'on est intelligent, mais je pourrais très bien lui répondre, écoutez, non, c'est à partir du 9 que j'accepterai votre nom. Voilà. D'accord. Bon, c'est pas grave, c'est fait. La durée du mandat, c'est un mois, c'est ça? 2 mois. 2 mois, d'accord. Ah oui, c'est quand même une sacrée charge, hein. Oui, tu plaisantes quand même. 2 mois, c'est un travail énorme. Hein. Ce que j'ai fait, c'est de l'engagement surtout. Oui. Oui. Vous voyez, le problème, c'est que là, moi, pour vous dire très sincèrement, voir les d'autres idées et faire évoluer la ville serait peut-être une bonne chose. Mais rester toujours dans la même optique, dans le même cerveau entre guillemets, c'est ce que je veux dire. Oui. C'est vrai que tout avance toujours de la même manière. Ça serait toujours bien d'avoir, mais on connaît très bien tous, je pense, la difficulté d'avoir un gouverneur présent pour les citoyens et surtout qui prend ses responsabilités du début à la fin, c'est rare. Et donc, moi personnellement, c'est la seule chose qui me fait peur et qui la seule chose pour la faire. Pardon. Moi, j'aurais du mal à vous voir autre. Ouais, excuse-moi, ça a été long. Hein. Ouais. Comment tu vas? Bah, bien. Alors, dans les jours qui viennent, hein, ça peut être ce soir comme dans les jours qui viennent, tu vois une entreprise qui vient pour changer mon coffre à la maison, c'est tout à fait normal, tu les laisses rentrer, ok? Ouais, je sais, mais j'en ai déjà contacté un là par mail. Ah non, mais je viens, voilà, ça va être fait. Ok. Et je viens d'en parler avec, parce que là j'ai eu une grosse réunion en visio. Ok. Donc ça va être fait. Ok, non, parce que le coffre qui est sous ma maison, il est blindé de bouffe. Tu parles de duquel? Celui dans la maison ou celui non, à côté de la maison? Non, à l'extérieur de la maison, il est blindé de bouffe. Et 500 kilos? Ouais, donc faut pas qu'il me les... Tu comprends? Non, mais ça, y'a que moi qui peux faire quelque chose pour ça. Ok, bah ok, du coup, en fait, quand j'aurai mon coffre de maison, tu vas le supprimer celui-là. Voilà. Mais ouais, il faudrait que tu fasses un transfert. Ah ouais, bah c'est bon, c'est... C'est moi qui... Voilà. Ok. Et mais du coup, voilà, pour le coup, par à l'heure contre... actuelle, c'est la contenance qui... Ils vont venir t'installer un meilleur frigo. Ok. Et du coup, ce qu'il y a dans l'ancien... Je sais pas, ça, par contre. Bah, essaye de... De toute façon, il y a que 5 kilos, hein, donc... Ah, mais j'ai mis des choses dedans. Eh ben, si tu pouvais les enlever, ça serait cool. Ok. Je vais y aller de suite, alors. Pour éviter de les perdre, parce que je sais pas si ça va être fait de suite ou dans la nuit ou dans les jours qui viennent, mais ça va, voilà. Et puis en même temps, bah, j'en ai profité, tu dirais, enfin voilà, j'ébruite pas trop.
J'ai fait une commande de meubles. Donc, elle était bloquée, mais là, la maison mère est en train de voir pour la débloquer. Pour avoir des nouveaux meubles. Ok, ok, ok. Voir si tout est bon et ça serait. Voilà. Ah, c'est cool, c'est cool. C'est cool. Qu'est-ce que je veux dire pour le coup, ouais, je suis bon pour acheter le château. Alors, justement, le château, c'est le tout grand, c'est il va avec la toute grande maison. Donc la villa impériale, la toute grande. Sauf que là, on va dire qu'il y a un souci avec la villa impériale qui va être réglé bientôt. Donc au pire, si tu veux, je peux te la réserver, mais après, c'est à tes risques si tu... Enfin, comment t'expliquer? Il faut beaucoup de nettoyage dans la villa impériale parce que l'heure actuelle, là, elle est dégueulasse. Non, mais t'as pas compris. La villa impériale. Ah, mais je la toute grosse maison avec le terrain de tennis, c'est la villa impériale dedans, celle-ci. Ok. Non, bah, au pire, ou alors tu me la réserves, hein. Bah, tu me la réserves et je te prends celle d'à côté alors en attendant. Ouais, parce que ça. Celle-ci, la villa impériale pour la toute grande maison. Attends, parce que je te parle dans les estimations. Là, j'en ai plein la tête. La villa impériale. Donc, bah là, t'as la totale. Hein. Elle fait 1 105 000. Ok. Je vois. Et. Ah, bah, je vais te prendre l'autre en attendant. Et laquelle? Celle au bout ou celle juste à côté? Celle. Quand t'arrives. Non, celle tout au fond. Ok. On avait dit 500 000, je crois, ou un truc comme ça. Bah, tu veux le même intérieur ou tu veux qu'on change? Non, tout pareil, je prends pas la tête. Donc, tu veux pas que je te la réserve? Parce que sinon, ça va encore poser un problème avec la frigo. Ouais, tu m'as réservé, on fera quand ce sera bon. Ouais, voilà, quand tout est bon. Moi, je te bloque celle du fond. Et comme ça. On s'occupe de ça dans les jours qui viennent. Ouais. Voilà, c'est ça. Dès que je suis au courant, parce que sinon ça va encore poser des problèmes avec. De toute façon, tu connais mon plan. Personne ne les veut, moi je vais rusher. Mais celle de tout au fond, je te la bloque. Mmh. Donc celle de tout au fond, donc là, la celle de tout au fond, il n'y a pas le terrain de tennis. Il me semble pas qu'il y ait un jacuzzi. Hein. Parce qu'en fait, là, mon objectif, ça va être d'acheter toutes les maisons là, du pâté. Et de virer le coffre qui est sous ma maison. Ah, bah oui, bah de toute façon, ça, une fois que les frigos sont changés, ça sera bon. Ah, bah. S'il y a un jacuzzi, t'es à 590 000. S'il n'y a pas de jacuzzi, t'es à 585 000. Il n'y en a pas. Et bah, t'es à 585 000. Le seul petit bac qui est à côté de la piscine, c'est le bac où tu laves tes pieds. Là. Ah, oui, c'est un pédiluve. C'est pas. Donc voilà. Et sinon, alors la déco chez toi, t'en dis quoi? La déco chez moi. Ah putain, merde. Oh. Alors, ouais. La déco chez moi, j'y suis allé. Et déjà devant, j'ai rien vu. Et derrière, j'ai pas encore été voir. Parce que tout à l'heure, j'y suis allé pour poser mon point américain, vu qu'on est en Defcon 3. Ouais. Mais c'est tout, quoi, j'ai pas eu le temps. Putain, j'ai même pas suivi, moi. Parce qu'à cause du braquage où j'étais otage. Oui. Et ben, à cause du braquage où j'étais otage. Comment dire? Il y avait un shérif avec nous qui était pris en otage. Oui, bah le shérif, oui. Bah, c'est à cause de ça. Donc, du coup, on se mange de 48 heures ou 72 heures de con. Ok. Ah, du coup, attends, là on m'appelle pour. Oh putain, là c'est urgent par contre. Ouah. Ok, ouais, je te laisse. Vas-y, à toute. De toute façon, on se capte plus tard. Yes, bisous, yes. Salut. À toute. BDA. BDA. C'est où? C'est là. Il y a un coup de feu là. Non, il n'y a pas de jacuzzi. Le jacuzzi dans les autres maisons. Dans la maison italienne et dans la première maison, il y a des jacuzzi. Dans celle-là, il n'y en a pas. Le
rappeler Aaron. Ouais. T'es pas au béni, j'espère, dis-moi que non. Si, bah si, ça fait un moment que je t'attends. Putain. Allez, Allô ? Mais ouais, bah on était trois à t'attendre, après il y en a deux qui sont partis, puis il y en a un autre qui est venu là, du coup on est deux. Vas-y, ok, bah je vais arriver, je vais arriver. Vas-y, ça marche, à toute. Est-ce qu'à ce moment-là, je pourrais postuler par hasard? Oui, très bien. Et buenas tardes.